On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a beaucoup été demandée en fait, et c'est une vidéo qui concerne en fait les affaires de gens que j'ai pour gens, donc ces affaires, ces couvertures, je pense que c'est ces couvertures principalement. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo printemps-été, donc il faut vous présenter un petit peu les couvertures que j'utilise au printemps comme en été pour vous. Donc c'est parti, on y va. Donc on va commencer tout simplement par les couvertures printemps, parce que c'est plus logique, parce qu'on passe le printemps et ensuite on va vers l'été. Donc les couvertures de printemps que je vais être amenée à utiliser sur Jean, parce que si tout le monde me suit un petit peu Jean, connaît un petit peu Jean et suit un petit peu ses aventures sur la chaîne des réseaux sociaux, vous êtes au courant qu'il fait de la gastrite et que ses gastrites lui créent pas mal de soucis. Donc que ça soit des soucis d'ordre métabolique comme des soucis d'ordre au niveau des changements que ce soit dans son environnement ou des changements au niveau des changements de température, bah ça le contrarie un petit peu et ça le rend un petit peu malade. Donc moi personnellement quand il fait trop chaud je peux trop rien faire. Par contre quand il fait trop froid, bah là, c'est, il part direct en diarrhée, comme quand il fait trop chaud. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de l'aider au mieux. Donc, au printemps, quand les nuits sont un petit peu trop fraîches pour Jean, je viens lui mettre cette petite couverture coton, donc qui est vraiment fine en fait. Hein. Et d'ailleurs, on peut des fois voir un peu à travers. Donc, qui est très très fine. Mais qui va le protéger vraiment bien au niveau des températures. Donc c'est une couverture coton de la marque Water Beta, que j'ai acheté à PAD l'an dernier. Donc je vous mettrai un petit close-up de la couverture complètement dépliée, comme ça vous la verrez mieux. Principalement utiliser cette couverture là pour les nuits qui sont un petit peu fraîches au printemps, ou même les journées qui sont un petit peu fraîches au printemps, parce qu'il y a des journées on va être vraiment il y a des journées qui peuvent être un peu plus fraîches que d'autres, et même en fin d'été quand les nuits sont un peu fraîches pour Jean, bah je lui mets cette couverture là jusqu'au début d'automne, et après je change des couvertures, mais ça vous le saurez un peu plus tard dans une prochaine vidéo que je vous ferai sur, par contre, ces affaires automne-hiver. Ensuite, restons au printemps, toujours, nous aurons les couvertures anti-mouches, anti-insectes, anti-tons, anti-tout ce que vous voulez. Donc moi, j'en ai une comme ceci. Donc j'ai la flemme de la déplier, d'ouvrir le sac et de vous la déplier. Donc je vous mettrai une petite photo juste après de la couverture portée sur Jean. Donc cette couverture là, je la mets principalement au printemps parce que tout simplement je trouve qu'elle est trop chaude. Au printemps ça va parce que les températures sont pas encore trop élevées, on n'est pas à 28, 29, 30, ça va encore à peu près. Cette couverture là en fait elle est en... Enfin, je trouve qu'elle est un peu chaude. Bon, elle est complètement intégrale, elle protège super bien, moi je l'aime beaucoup. Pour la période mai-mi-juin, on va dire. Mais par contre, je trouve qu'elle est vraiment
peut-être aussi pour la période de l'automne, hein, ça sera peut-être très bien, puisque je sais qu'en période d'automne, on a encore tout ce qui est mouche, moustique, thon. Peut-être moins les thons. On a encore tout ce qui est mouche, moustique. Donc, je pense qu'elle sera très bien. Mais c'est vrai qu'en période d'été, elle est vachement chaude. Je me suis retrouvée des fois avec des gens qui étaient en sueur dessous. Et il faisait 28 degrés, quoi. Il faisait... Alors que d'habitude, il est en sueur à 30-35. Là, il était carrément en sueur dessous. Donc j'estime qu'elle est peut-être un peu trop chaude pour ça. Mais sinon, elle est très très bien dans l'ensemble. Donc voilà pour la couverture anti-mouche de printemps. Et j'en ai une autre qui est une couverture anti-mouche pour l'été cette fois-ci. Et c'est ma couverture anti-mouche zèbre. Donc là c'est pareil, j'ai pas vraiment envie de vous la déplier. Parce que déjà j'y arriverai pas. La mouche, fous-moi la paix. Oui, parce que je vous tourne la vidéo dans l'écurie. Parce que dans ma chambre il fait vachement chaud au niveau luminosité. C'est juste la catastrophe, j'ai pas envie d'allumer tous les spots pour cuire, ça c'est... non, j'ai pas envie. On vient de se taper un gros orage là, on a le soleil qui revient, enfin bref, c'est juste... on est en train de... On va mourir de chaleur parce qu'on va être en étuve, tout simplement. Donc, comme je disais, j'utilise celle-là pour l'été, donc cette couverture anti-mouche zèbre que j'ai achetée il y a 3 ou 4 ans de ça maintenant. Donc je vous mettrai pareil une petite photo ou un petit close-up juste après de la couverture complètement dépliée sur Jean. Donc moi je l'ai acheté chez Kramer et je la trouve juste très bien. Bon, le petit bémol c'est que j'ai voulu la prendre simple, unique quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y a 2 ans, maintenant ça va faire 2 ans, qu'il ne supporte plus les mouches, les thons, les insectes. Enfin, il ne supportait déjà pas très bien à l'époque où j'ai acheté cette couverture là. Mais là d'année en année, il supporte vraiment de moins en moins. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'il vieillisse, je ne sais pas du tout si c'est ce fait là ou autre. Donc je pense que c'est peut-être le fait qu'il vieillisse, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Donc voilà pour cette petite couverture où je n'ai pas trop rien à dire, à part qu'elle est juste très très bien, puisqu'elle est vraiment... Elle est vraiment en maille, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas, si vous voyez ma tête à travers. Vraiment, elle est très très bien, je trouve. Et elle n'est pas épaisse comme l'autre, elle n'a pas de film en fait, parce que l'autre, elle a un petit film là, pour, je pense, la protéger. Hein. Un petit film là, et après c'est maillé. Mais le problème c'est que ça, bah en fait le petit film qui se trouve juste là, donc je trouve que c'est trop épais. Et donc du coup ça fait transpirer le cheval. Bravo Delphine. Maintenant je sais pas comment je vais faire pour la remettre. Ah si, voilà. On va y arriver. Donc voilà pour cette couverture-ci. Ensuite, on a la couverture. Que j'ai acheté l'an dernier, pareil à Jean. Donc c'est une couverture. Avec le couvre-cou intégré. Donc super, je viens de faire tomber le couvre-cou. Donc c'est une couverture rafraîchissante. Donc cette couverture là c'est bien simple. Vous prenez un grand baquet d'eau et vous la trempez dedans. Et en fait. Et j'ai les gens qui est juste là derrière. Je sais pas si vous allez voir. Et là on ne voit plus du tout, je crois. Donc voilà pour cette petite aparté de Jean qui fait son apparition. Donc cette couverture en fait, quand vous la trempez dans l'eau, il y a ce...
ce petit tissu qui fait en fait un tissu éponge qui va s'imbiber d'eau, en fait s'imprégner d'eau. Et là, ça fait vraiment carton. La couverture, ça fait vraiment carton. Elle est vraiment pas super malléable. Mais par contre, quand elle est bien mouillée, et bah elle est super malléable. On peut la prendre dans tous les sens en fait. Donc voilà, donc c'est une couverture rafraîchissante que je vais mettre principalement à jeun quand il fait très très chaud, donc 35 degrés. Sauf que cette année, je ne l'ai pas mise. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, cette couverture n'a pas de courroie de cuisse ou de sangle ventrale. Donc le souci que j'ai, c'est qu'il faut que je lui mette cette petite chose qui se trouve être une... J'ai oublié le nom. C'est pas un surfer. Non. Sangle élastique. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc je vais lui mettre une petite sangle élastique au niveau du ventre. Et le problème que j'ai, c'est que malgré la sangle élastique, l'an dernier, Jean s'est roulé avec sa couverture. Bah oui, quand Jean est mouillé, il faut qu'il se roule puisque c'est mon petit porciné. Ne vous posez pas de questions, c'est son surnom, c'est le surnom que mon frère lui donne. Donc, il s'est roulé. La petite sangle que je lui avais mis avec la couverture n'a pas suffi et elle s'est complètement retournée. Et Jean, en fait, en se relevant, a marché dessus et me l'a complètement déchiquetée. Je l'ai réparé, fort heureusement. Je n'allais pas remettre de l'argent dans une nouvelle couverture parce que, alors là, je n'allais pas remettre 100 euros dans cette couverture-là. Ça, c'était juste hors de question parce que bon, je trouve que vu qu'il manque les contre-sanglants et les courroies de cuisse, je trouve qu'elle ne vaut pas vraiment son prix en fait. Donc, comme je ne voulais pas remettre de l'argent dans cette couverture, je l'ai réparée et du coup, elle est comme neuve. Sauf que je ne l'ai pas remise parce que tout simplement, je me suis dit que cette année, j'allais principalement l'utiliser pour faire des balades avec Jean. Sauf que quand on part en balade, il fait pas relativement très très chaud, il fait aux alentours de 27-28, ça va, c'est encore acceptable. Mais par contre, quand il fait 30-35, moi je suis déjà cuite, alors je pars pas en balade du tout avec Jean. Et il faudrait que je parte au matin, et le matin, j'ai pas forcément le temps. Donc voilà, donc cette couverture me servira certainement cette année. Peut-être pas, je ne sais pas, je verrai si elle me sert ou pas. En tout cas, elle m'a bien servi l'an dernier, elle a bien été utile à monsieur qui se trouve juste là à côté de moi. Mais cette année, je ne sais pas si elle me sera utile. Donc je verrai bien. Cette jolie petite couverture. Ça fonctionne encore. Les lumières fonctionnent encore. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on s'occupe de lui. Oui, on s'occupe de lui. Monsieur, on s'occupe de lui. Donc, je disais, pour finir, on a cette couverture de marcheur d'un jaune bien pétant, bien fluo. Voilà, on a la petite bande fluo, donc on en a deux, qui va pas très bien aux gens, on va dire, qui lui va à ras la moule, à ras la moule du cul, parce que tout simplement, la taille que j'ai pris est un peu trop petite.
mais j'ai pas voulu en racheter une en fait, tout simplement parce que elle lui va quand même assez bien et que je la mets pas souvent. Donc je la mets principalement vers la fin de l'été, tout simplement parce qu'il fait encore chaud en fin d'été et que je vais me balader avec Jean. Je vais privilégier d'aller me balader en été avec Jean plutôt à la fraîche, donc plutôt en fin de journée. Et en fin de journée, en été, il fait encore très chaud et la nuit tombe plutôt rapidement. Donc du coup, pour pas me faire surprendre par une voiture, je mets ça à Jean. Donc je mets cette jolie petite couverture là. Donc je vous la mettrai dans un close-up là porté par Jean pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Cette couverture aussi n'a pas de contre-sanglon, ni de courroie de cuisse, ni de. Enfin, de contre-sanglon, ni de courroie de cuisse, ni de sangle ventrale. Donc, du coup, c'est pareil, je suis obligée de mettre une sangle. La petite sangle élastique que je vous ai montrée tout à l'heure quand je vous ai présenté cette petite merveille. Parce qu'elle est quand même très bien, faut pas se mentir. Elle est quand même très très bien pour rafraîchir le cheval. Surtout quand on n'a pas de douche chez soi. Elle est vraiment très très bien. Donc je disais, cette couverture là n'a pas de contre-sanglon, ni de courroie de cuisse, ni de sangle ventrale. Donc du coup, elle peut tourner. Et c'est vraiment pas simple quand on part en balade si elle tourne. Donc du coup, je mets la sangle ventrale. Comme ça, elle tombe pas et on est tranquille. Merci Jean de faire ton joli popo à face caméra. Je le ramasserai après. J'adore ta tête. Il nous fait de ses têtes un petit père. C'est donc la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Pour ceux qui se posaient des questions par rapport aux affaires que je mets, tu fais quoi ? Ça va être l'heure de ta nébule, oui, j'ai bien compris. Mais 2 minutes. Il est pressé de faire sa nébule. Il me met son licol au niveau de sa porte. Et je ne peux pas clôturer ma vidéo. J'ai oublié des choses, c'est ça? Ah oui, j'ai oublié la bonne anti-mouche. Et on ne peut pas clôturer cette vidéo puisque j'ai oublié de vous présenter les bonnets anti-mouche. Donc Jean, il en a tout simplement... un passif de bonnet anti-mouche. Donc il a ce petit bonnet anti-mouche que j'utilise pour le travail, comme ce petit bonnet anti-mouche là avec la petite émouchette au niveau du nez que je lui mets au paddock. Donc il en a 3 ou 4 bleus comme ça et 2 blancs comme ça. Et il a aussi les petites émouchettes. Donc il en a une rouge que je mets sur sa bride quand je pars en balade avec lui, bien que là en ce moment je l'ai enlevé parce que je mets le petit bonnet comme ça sur la tête à Jean. Parce qu'il ne supporte pas tout ce qui est mouche, mouchon, tout ça. Et comme on a plein dans le coin dû aux chaleurs et au fait qu'on a de l'eau, des mares, parce qu'on est dans le Berry et le Berry, c'est il y a beaucoup de mares. Donc on a beaucoup de mouchons. Et donc ça c'est super pour le protéger mieux. Et comme ça, il check pas parce que Jean, en fait, il a atteint le heat checking aussi. Et c'est très difficile parce que quand il a des crises, il check dans tous les sens avec sa tête et tout, et c'est pénible. Je ne vais pas vous mentir, c'est pénible. Mais on peut rien faire, c'est pas sa faute à lui, c'est de la faute au bouchon. Voilà. Donc voici le petit arsenal de bonnets de Jean qui se trouve dans une boîte de pansage, tout simplement. Donc là, on a tout ce qui est émouchette ou émouchine. Là, il en a une rouge. À prendre un petit bonnet blanc, un deuxième petit bonnet blanc, une émouchine noire comme ça, une autre émouchine noire comme ça,
le petit bonnet rafraîchissant qui va avec la couverture rafraîchissante, un masque bleu, mais j'ai pas vraiment envie de vous le déballer, donc du coup voilà, et un second masque lui aussi bleu comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc voilà, donc il a vraiment le paxi. C'est donc la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, qui j'espère vous aura aiguillé un petit peu sur ce que j'ai en affaire pour Jean en période de printemps-été pour lui. J'ai l'intention de vous faire une vidéo automne-hiver où je vais vous présenter donc toutes ces petites affaires que je lui mets en automne comme en hiver, donc les grosses couvertures, les petites couvertures, tout ça. Et je ne vais pas vous mentir si je vous dis que j'ai décidé de l'habiller tout de rouge parce que j'adore le rouge, voilà, et que je trouve que le rouge, ça lui va très très bien. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous !